Lui a déjà remporté la Ligue des Champions avec son club de Montpellier Handball en 2018. Il a repris le flambeau de son père, le digne héritier du Réunionnais Jackson Richardson. À 24 ans, Melvin Richardson est l'un des grands espoirs de l'équipe de France de handball. Dans un instant, nous le retrouverons en direct. Mais d'abord, qu'en est-il de sa popularité à La Réunion? Reportage Tristan Ricli et Thibaut Cordier. Melvin Richardson, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est l'un des jeunes espoirs réunionnais. Nous sommes allés à votre rencontre pour mesurer sa popularité. Richardson, ça vous dit quelque chose? C'est son fils? Tout à fait, c'est Melvin Richardson. Oui, c'est le fils de Jackson, non? J'en ai entendu parler, mais pas plus que ça, en fait. Et donc, du coup, lui, il est bien parti pour arriver au même niveau que son père, lui. Son père, oui, mais Melvin, de nom, mais pas de... J'ai jamais vu de championnat, j'ai jamais vu ce qu'il fait vraiment. Je connais ses origines. Et les origines, des fois, c'est déjà l'essentiel. Hein. Melvin Richardson, c'est le fils de l'ancien champion du monde de handball, Jackson Richardson. À 24 ans, ce jeune prodige du handball s'illustre à Montpellier. Il pourrait même rejoindre les Bleus pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ça va représenter la Réunion, quoi. En gros, on sera fiers de lui. Ça fait plaisir, ouais. Vu que c'est un Réunionnais, moi ça me fait plaisir, quoi, ouais. Ça met en avant la Réunion et voilà, quoi. Ça peut représenter notre île et montrer qu'en fait on a du talent même si on n'est pas très voyant dans le monde. Alors Melvin Richardson sera-t-il sélectionné pour les JO 2021? Réponse d'ici quelques semaines.